Salut tout le monde, c'est Naughty, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve en irréel, donc je vais vous montrer une nouvelle technique de refill que j'ai trouvée, même si elle est sûrement assez connue. Je vais vous montrer, donc là j'espère que ouais, vous voyez quand même le refill. Donc je vous montre mon ancien refill, donc c'est des petits refills comme ça. Donc attendez, voilà, comme ça de toute façon vous avez des clips juste après de mon ancien et de mon nouveau refill. Voilà, donc bah, c'est bien, mais voilà quoi, on peut faire mieux. Et j'ai trouvé une nouvelle technique donc, qui marche avec les Razer Imperator, donc celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Il y a la GTX, je sais plus combien. Il y a la RAD 5 et voilà. Et d'autres, mais je ne sais pas. C'est cela que je sais le plus. RAD 5, Razer Imperator, parce que bah, je l'ai, du coup, je sais. Et en gros, c'est simple. Hein, suffit juste de faire comme une molette avec vos clics. Et je vous laisse écouter un peu le clic que ça fait. Et en fait, ça fait genre... Et tous ces clics, bah, c'est des clics en fait. Voilà. Je vais vous montrer aussi. Donc, faut pas qu'on dise macro ou d'étranger. Je vais vous montrer ce que ça donne donc, en refil. Je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air. Donc, par contre, j'arrive pas du premier coup parce que là, j'ai rentré de manger. Donc, ça se trouve, je vais pas y arriver. Premier coup, si, bah voilà. Voilà, donc vous voyez un peu les refills de malade que ça fait. Hein. Ça fait des refills, mais vraiment de ouf. Je les ai pas encore mesurés, mais c'est vraiment génial ces refills. Hein. Donc j'espère que ça peut vous aider parce que bon, bah, moi je trouve ça génial. Enfin, je me suis renseigné sur MJKit, c'est tout pour le moment, mais c'est pas considéré comme un macro parce que tout simplement. Tout simplement si c'est une technique avec tes doigts et c'est pas genre avec un bouton sur le côté où tu peux faire des trucs comme ça, enfin perso moi j'en ai pas mais voilà c'est pas un cheat quoi, c'est une technique qu'on peut faire avec sa souris et bah après c'est soit sa souris on peut, soit sa souris on peut pas, après bah, c'est les désavantages et les avantages, mais bon. Donc voilà, donc je vous retrouve sur les clips, je vais essayer de vous en montrer un au cas où si vous avez vraiment pas vu, parce que ça se trouve vous avez pas vu. Voilà, donc, voilà, donc je promets, c'est comme ça que... Donc voilà, donc on se retrouve avec les clips là sur, bah, sur le jeu, et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, et plus les gens, je vous dirai... Bah, je mettrai comme d'hab ici là parce que moi je sais pas mettre de chronomètre parce que je fais mon montage avec Movie Maker. Je vous mettrai un petit chronomètre ici pour vous dire le temps du refill bah, le temps du refill. Voilà, donc plus les gens, c'était Naughty, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss. Salut tout le monde, c'est Naughty, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve en irréel, donc je vais vous montrer une nouvelle technique de refill que j'ai trouvée, même si elle est sûrement assez connue. Je vais vous montrer, donc là j'espère que ouais, vous voyez quand même le refill. Donc je vous montre mon ancien refill, donc c'est des petits refills comme ça. Donc attendez, voilà, comme ça de toute façon vous avez des clips juste après de mon ancien et de mon nouveau refill. Voilà, donc bah, c'est bien, mais voilà quoi, on peut faire mieux. Et j'ai trouvé une nouvelle technique donc, qui marche avec les Razer Imperator, donc celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Il y a la GTX, je sais plus combien. Il y a la RAD 5 et voilà. Et d'autres, mais je ne sais pas. C'est cela que je sais le plus. RAD 5, Razer Imperator, parce que bah, je l'ai, du coup, je sais. Et en gros, c'est simple. Hein, suffit juste de faire comme une molette avec vos clics. Et je vous laisse écouter un peu le clic que ça fait. Et en fait, ça fait genre... Et tous ces clics, bah, c'est des clics en fait. Voilà, je vais vous montrer aussi. Donc, faut pas qu'on dise macro ou d'étranger. Je vais vous montrer ce que ça donne donc, en refil. Je regarde juste si vous voyez bien. Ouais, ça a l'air. Donc, par contre, j'arrive pas du premier coup parce que là, j'ai rentré de manger. Donc, ça se trouve, je vais pas y arriver. Du premier coup, si, bah voilà. Voilà, donc. Vous voyez un peu les refills de malade que ça fait. Hein. Ça fait des refills, mais vraiment de ouf. Je les ai pas encore mesurés, mais c'est vraiment génial ces refills. Hein.
Donc j'espère que ça peut vous aider parce que bon, bah, moi je trouve ça génial. Enfin, je me suis renseignée sur MJKids, c'est tout pour le moment. Mais c'est pas considéré comme un macro parce que tout simplement c'est une technique avec tes doigts. Et c'est pas genre avec un bouton sur le côté où tu peux faire des trucs comme ça. Enfin, perso moi j'en ai pas, mais voilà, c'est pas un cheat quoi, c'est une technique qu'on peut faire avec sa souris et bah après c'est soit ça sourit un peu, soit ça sourit un peu pas. Bah, c'est les désavantages et les avantages. Mais bon. Donc voilà, donc je vous retrouve sur les clips. Je vais essayer de vous en montrer un au cas où si vous avez vraiment pas vu. Parce que ça se trouve vous avez pas vu. Voilà. Donc, voilà, donc promis, c'est comme ça que. Donc voilà, on se retrouve avec les clips là sur le jeu. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et plus les gens, je vous dirai, bah, je mettrai comme d'hab ici là, parce que moi je sais pas mettre de chronomètre parce que je fais mon montage avec Movie Maker. Je vous mettrai un petit chronomètre ici pour vous dire le temps du refill. Le temps du refill. Voilà, donc plus les gens, c'était Naughty, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!